Il y a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand il faut de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudeau. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa. Ils pensaient peu qu'ils pensaient pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les violons. Sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Napoléon, bien sûr. Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette, pour se mettre de la crème sur les joues. Et ses cuillères font la cueillette, finissent la journée sur les genoux. Allons souvent faire de la musique, comme celle de Rufus Thibaudeau. Pour oublier que l'Amérique, c'est plus celle de leur grand-papa. C'est bien changé depuis ce temps-là. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les violons. Sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Napoléon. Quand ils ont bossé 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués, ils montent dans la vieille automobile et foncent dans la ville d'à côté pour écouter de la musique, c'est le grand Rufus Thibaudeau. Et pour repeupler l'Amérique à la manière de grand-papa. Y'a plus que ça qui ne change pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les violons. Sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les violons. Sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Encore Napoléon, oh.